Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube du site iPhone.fr. Aujourd'hui, on va voir 10 astuces assez pratiques sur Apple Watch. La première astuce permet de créer et d'envoyer des messages personnalisés sur l'application Message sur Apple Watch. Et pour ça, il va falloir se rendre sur l'application Watch sur l'iPhone. Dans l'application Watch sur l'iPhone, allez dans la section Messages. Et là, sur cette page, vous voyez en bas de cette page, il y a une ligne qui s'appelle Réponse par défaut. C'est ici que vous pourrez créer des messages personnalisés qui se retrouveront sur la montre. Allez tout en bas de cette page et là, vous verrez une ligne qui s'appelle Ajouter une réponse. Appuyez dessus et là, vous pourrez entrer un message personnalisé pré-créé qui se retrouvera sur votre montre et que vous pourrez envoyer à vos contacts et ce qui vous fera gagner du temps. Il est possible depuis la montre de faire sonner l'iPhone pour le retrouver plus facilement et si jamais vous appuyez un petit peu plus fort sur cette icône, vous pourrez également faire clignoter le flash, ce qui vous permettra de retrouver l'iPhone plus facilement dans les lieux obscurs ou dans la nuit. Parmi les différents cadrans disponibles sur l'Apple Watch, le cadran Mickey et Minnie Mouse peuvent annoncer vocalement l'heure en appuyant une fois sur le personnage. Il est possible de créer très rapidement et facilement un cadran photo à partir d'une de vos photos et pour cela tout ce que vous devez faire c'est lorsque vous visionnez vos photos et bien sur une photo vous appuyez fort sur l'écran et là vous verrez l'option créer un cadran, vous appuyez dessus et vous avez deux options, créer un cadran photo ou créer un cadran kaléidoscope et vous choisissez créer un cadran photo. Pour consulter la liste des applications Apple Watch installées, il y a le nuage d'applications. Mais l'Apple Watch propose également une autre vue qui permet de lister toutes les applications installées sur l'Apple Watch. Pour cela, tout ce que vous devez faire, c'est d'appuyer fort sur l'écran lorsque vous êtes sur le nuage d'app pour faire apparaître l'option qui permet d'afficher la liste des applications. Lorsque vous êtes dans l'application météo sur l'Apple Watch, vous avez la possibilité d'afficher différentes données météorologiques. Pour cela, appuyez fort sur l'écran pour faire apparaître différentes options, le pourcentage de chances de pleuvoir, les conditions météo, mais également la température. Lorsque vous êtes dans l'application Message et que vous souhaitez envoyer un nouveau message, appuyez fort sur l'écran pour faire apparaître l'option Envoyer un nouveau message. Et là, quand vous appuyez dessus, vous avez la possibilité d'ajouter un contact qui recevra ce message, de créer votre message puis de l'envoyer. Depuis WatchOS 5, il est possible de modifier l'ordre des icônes dans le centre de contrôle de l'Apple Watch. Pour ça, il y a un nouveau bouton qui se trouve tout en bas du centre de contrôle. Appuyez dessus pour faire trembler les icônes et là vous déplacez les icônes avec le doigt et vous modifiez l'ordre. Et quand vous avez fini de modifier l'ordre des icônes dans le centre de contrôle, tout ce que vous avez à faire pour valider les changements c'est d'appuyer sur le bouton OK en bas du centre de contrôle. Si pour une raison ou une autre vous avez besoin d'aide ou quelqu'un a besoin d'aide, vous pouvez passer rapidement un appel d'urgence depuis la montre en maintenant le bouton latéral enfoncé. Là vous verrez un compte à rebours de 5 secondes. Et quand ça arrive à 0, celui-ci va automatiquement, enfin la montre va automatiquement appeler les urgences. Pour que cette fonction d'appel d'urgence fonctionne, il faut qu'elle soit activée dans les réglages dans l'application Watch sur l'iPhone. Pour ça, rendez-vous dans l'application Watch et là, allez sur la section qui s'appelle Appel d'urgence. Vous verrez une ligne qui s'appelle Maintenir le bouton latéral enfoncé. Il faut bien évidemment qu'elle soit cochée pour que la fonction d'appel d'urgence soit active. Il est possible d'effectuer une capture d'écran sur l'Apple Watch et pour ça, tout ce que vous devez faire, c'est d'appuyer simultanément sur la couronne digitale et le bouton latéral pour effectuer une capture d'écran. Et cette capture d'écran, vous pourrez la retrouver dans l'application photo sur votre iPhone. Cependant, il faut au préalable activer cette fonctionnalité pour qu'elle fonctionne. Et pour cela, vous rendez sur l'application Apple Watch sur l'iPhone. Là, vous rendez dans la section Générale. Et dans la section Générale, il y a une ligne qui s'appelle Activer les captures d'écran. Vous la cochez pour pouvoir faire des captures d'écran sur l'Apple Watch. L'Apple Watch est en mesure de vous alerter lorsque vous avez un rythme cardiaque élevé ou bas lorsque vous êtes au repos. Pour activer ces alertes, rendez-vous dans l'application Watch sur l'iPhone, puis dans la section rythme cardiaque, là vous verrez que vous avez la possibilité de configurer les alertes de rythme cardiaque élevé en définissant le seuil. Vous pourrez aussi configurer les alertes de rythme cardiaque faible. Si vous avez aimé cette vidéo et surtout si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, à nous mettre un petit commentaire et à venir nous rendre visite sur le site iPhone.fr.